Au sommaire de cet épisode de SAS Talks, le nouveau rôle des technologies dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. À l'ère de l'IA et du big data, quels sont les nouveaux moyens d'action des banques Ont-elles les compétences nécessaires pour enrayer le phénomène Réponse avec Jean-François Sébastien et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SAS Talks, le podcast de SAS dédié aux enjeux de la donnée. De l'intelligence artificielle et de l'analytique. Alors, dans cet épisode, nous nous pencherons sur la fraude et le blanchiment, ainsi que sur les nouveaux outils de lutte qui sont mis à disposition des institutions financières. Pour en parler, je reçois Xavier Houillon. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-François. Euh, tu es expert délinquance financière de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale. Et je reçois François. Bonjour, Bonjour. François. Donc, François, expert banque et finance chez SAS France. Première question pour toi Xavier, sur l'actualité. Parce que si on en croit à cette actualité, le phénomène semble progresser avec une criminalité financière qui surfe sur ces nouvelles technologies. Est-ce que pour toi, on observe une industrialisation de la fraude Alors, rappelons tout d'abord qu'on ne va pas parler d'un sujet nouveau aujourd'hui, Jean-François, puisque la fraude existe depuis l'Antiquité. Ça a commencé sur les tablettes d'argile, sur les titres de propriété à l'époque. Donc en fait, c'est un comportement qui est euh, euh, historique. Aujourd'hui, actuellement, la fraude prend une dimension un peu nouvelle en matière de méthodologie, puisqu'on le constate sur les placements financiers qui deviennent de plus en plus euh, exposés. La crise économique a rendu ces placements encore plus sexy, puisque ce sont des taux de rendement attractifs qui sont proposés par les fraudeurs qui vont permettre de drainer tout un tas de victimes. Comment ça se passe En fait, c'est assez simple, c'est qu'ils profitent des failles du système. Donc le système est axé sur des procédures, et en règle générale, le constat amène euh, à ce que ces procédures soient en réalité insuffisantes, voire inexistantes. Les conséquences, on l'a pu voir avec la crise du Covid, c'est que ça a été un, un véritable effet d'accélérateur. Pourquoi La situation d'urgence a amené une, une façon un peu dégradée et désorganisée euh, dans ce contexte d'urgence et a, mis, a permis au, à la criminalité organisée de mettre tout en place un système de fraudes diverses et variées qui, euh, qui l'auront réussi au détriment des victimes. Les chiffres sont accablants. Aujourd'hui, on parle de dizaines de millions, de centaines de millions d'euros et bien plus encore. – Abordons maintenant la question des nouvelles technologies euh, L'omniprésence des nouvelles technologies dans nos vies et au travail, est-ce que ça a ouvert de nouvelles failles ou facilité cette délinquance financière, François Très clairement, très clairement. On l'a vu avec la crise du Covid, le besoin de résilience, de poursuivre l'activité, l'utilisation euh, notamment de produits plutôt grand public, a priori gratuits, euh, qu'ont utilisé un certain nombre de salariés, d'entrepreneurs, pour poursuivre leur activité, tout simplement. Et sans le savoir, ils ont offert finalement des brèches nouvelles euh, aux cybercriminels. Cybercriminels qui, attention, ne sont pas euh, des personnes isolées, mais des personnes extrêmement agiles, qui font partie des groupes organisés, justement, qu'évoquait euh, tout à l'heure euh, Xavier, et qui vont notamment exploiter toutes les données personnelles qu'ils vont pouvoir collecter. Euh, ça peut être des cartes nationales d'identité, d'ailleurs, qui ont été scannées dans des dossiers RH, pour finalement faire de l'usurpation d'identité, obtenir des crédits. Et finalement entretenir la machine. Donc la course à l'armement a été lancée par ces groupes criminels. C'est à nous maintenant de réagir et de réagir rapidement pour être capable de les contrer. Et au niveau des établissements financiers, qu'en est-il Les établissements financiers, ils ont tout à fait conscience de, du problème. Euh, la principale difficulté, c'est d'être capable de se désiloter. puisque la relation est devenue de plus en plus digitale. Là où le conseiller avait un rôle de connaissance du client, d'appréciation du, du contexte. Maintenant, ce contexte il est digital. Donc, il faut collecter finalement un certain nombre d'informations, il faut déciloter finalement les systèmes, être capable de faire communiquer les systèmes de collecte d'informations euh, cyber et euh, les systèmes euh, plus traditionnels euh, de gestion des opérations. Alors, si on parle maintenant des nouvelles technologies qui sont liées à la donnée, Xavier, est-ce que euh, pour toi, c'est un nouveau levier d'action, une opportunité pour lutter contre ce phénomène alors c'est tout à fait une, une véritable opportunité pour lutter contre ces nouveaux phénomènes néanmoins il faut la resituer dans un contexte, la, la data la donnée ne peut pas tout traiter à elle seule euh, je prends un exemple très très simple lorsqu'on est dans un niveau de complexité fort euh, de schéma d'escroquerie et qui fait appel notamment de l'ingénierie financière on peut avoir l'intégralité du schéma qui est euh, complètement légale en fait, en réalité sauf qu'en fait c'est l'humain qui va permettre de déceler la notion d'abus de droit en disant bah, tiens ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'intérêt économique ou fiscal, on, on va trouver les limites à ce montage et c'est ce qui va faire sens dans son interprétation. Cependant la donnée va nous permettre de traiter des effets volume. C'était lorsqu'on est aujourd'hui. On ben avez vu, on vit dans un monde dématérialisé. On est dans l'univers de la donnée. On a de l'information de partout. Euh, ce qui veut dire qu'il faut être capable de la traiter, il faut être capable de l'analyser, de la rassembler, de la renseigner, de l'enrichir. Ben, tout ça, c'est L'outil qui va le faire. Ça, c'est la plateforme qui va pouvoir permettre de traiter cette, cette information. Dans un second temps, il y a un effet temps qui est considérable et qui n'est pas neutre. Aujourd'hui, on sait très bien la difficulté en matière de coûts budgétaires d'avoir des ressources euh, ou d'avoir des enquêteurs ou d'avoir de l'humain pour pouvoir être derrière ces, tous ces dossiers. La donnée va pouvoir permettre de faire un effet temps euh, réduit afin de dégager de ces ressources plutôt des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, vraiment, le, le, le traitement de la donnée, il, il est primordial. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Ça serait une hérésie de penser qu'on peut se passer de la donnée. Cet effet volume et cet effet temps que permet de dégager la, le traitement de la donnée doit venir se coupler avec la synergie de l'expertise humaine. Et l'expertise humaine, elle a toute sa place, tant en amont qu'en aval du process, du traitement de la donnée. En amont, par le biais de la formation et par le biais des règles métiers qu'il va falloir implémenter dans l'outil. Et en aval, lors de l'analyse, de l'interprétation pour recontextualiser les résultats issus du traitement de la donnée. Donc c'est à ce prix, uniquement de cette synergie, qu'on va pouvoir lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent. Alors tu abordes la question de l'humain. Donc ça, ça me plaît beaucoup et ça m'inspire une question parce que je, je peux le constater sur le terrain. Des grands groupes financiers s'attaquent à la résolution de la fraude en passant essentiellement par des équipes DSI, Direction Système d'Information, ou analytiques. Qu'est-ce que tu en penses J'en pense qu'aujourd'hui, l'humain doit rester au cœur de cette approche. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'analytique va permettre essentiellement de pouvoir identifier, de traiter de façon on va dire automatisée, même si ce n'est pas un terme pour lequel je suis très partisan, euh, des schémas de fraude, qu'on va dire, d'une complexité plutôt légère ou intermédiaire, de premier et de second niveau, on peut appeler ça comme ça entre nous, euh, qui sont plutôt des fraudes massives orientées grand public, hein, qui vont se démultiplier et qui vont se disperser un petit peu partout, quatre coins de la France. Pour autant, l'analytique permet à l'humain euh, de pouvoir donc dégager de la ressource. Et c'est cette ressource qui va permettre d'aller sur des schémas de fraude plus complexes. Et sur cette complexité, euh, on va retrouver en fait des schémas d'ingénierie qui vont faire appel à diverses matières. Donc on aura besoin de sachants. Euh, et c'est cette multitude d'expertises consolidées, et ça c'est important, et je rejoins ce que disait François tout à l'heure sur le décilotage et le décloisonnement, qui va permettre de pouvoir identifier le schéma de fraude final. Puisqu'à force de cloisonner... Bah, on, on est enfermé dans une certaine lecture qui est restreinte, et c'est cette lecture complètement décloisonnée qui va faire sens au schéma de fraude. Alors, ça d'ailleurs, ça nous amène du coup à la question des compétences. Hmm. Question pour vous deux, est-ce que d'après vous, il faut recruter de nouveaux profils au sein du secteur bancaire François, pour commencer. Rapprocher des nouveaux profils et des silotés. Enfin, recruter des nouveaux profils tels que celui de, de Xavier. Il vient du monde de la banque, il a développé des savoir-faire en matière d'enquête et a su s'entourer. D'un centre d'expertise, justement, pour créer des groupes pluridisciplinaires à des fins d'enquête. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, déciloter, justement, pour être capable de faire en sorte que des profils comme celui de Xavier, mais aussi dans d'autres spécialités qui peuvent être des spécialités fiscales, puissent travailler avec des data scientists. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, on travaille sur des intelligences artificielles faibles, qui sont pensées à dessein. C'est avec, justement, les experts que l'on doit concevoir et sur la base. Justement, d'expertise, ces systèmes de détection qui vont aider l'humain à mieux appréhender des situations complexes, risquées. Xavier, tu partages Je partage complètement le point de vue. Et pour, euh, pour synthétiser ce que vient de dire François, en fait, les métiers d'avenir, ils vont être orientés sur la notion de cyber-enquêteur financier et euh, sur des cyber-analystes. Et ce, ce sont ces deux profils qui vont aujourd'hui permettre de pouvoir euh, à la fois traiter l'évolution de la donnée. Dans l'écosystème qui est le monde financier, et à la fois de pouvoir apporter de la technique d'investigation qui permettra la résolution d'enquête, en tout cas de l'assistance à la résolution d'enquête. N'oublions pas aussi la finalité de tout ça qui est en règle générale de la judiciarisation et pouvoir avoir une efficience par rapport au recouvrement des victimes, puisque le calendrier judiciaire n'est pas toujours un calendrier qui se prête à, à, à prendre son temps, si je puis dire, en matière d'investigation. Il faut garder à l'esprit que euh, ce sont les techniques du monde du renseignement qui vont venir quand même de plus en plus alimenter le secteur privé. Et euh, ce sont ces méthodologies qui vont devoir se diffuser euh, afin de pouvoir avoir un, une vue globale et transverse sur les schémas de fraude. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de terminer par une dernière question pour toi, François, sur le marché. Euh, Est-ce que euh, l'offre logicielle du marché répond à ces enjeux On a des débuts de réponse. Mais clairement, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, c'est de faire cohabiter sur la même plateforme des profils qui sont très différents. Des profils qui viennent du monde de l'analytique, qui viennent des mathématiques, des statistiques, et des gens qui viennent du monde de l'enquête. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être capable de faire cohabiter, justement, sur un seul socle, de manière à assurer l'intégrité, justement, de l'enquête, ben, ces deux populations. Donc c'est un niveau d'exigence aujourd'hui qui est extrêmement élevé. Oui, aujourd'hui, des solutions existent. Merci. Merci Jean-François. Pour conclure, je dirais que euh, pour préserver la confiance de ses clients et pleinement jouer leur rôle au sein de la société, les établissements doivent se transformer afin d'être à la hauteur des défis que notre société doit relever. Acteurs clés de ces transformations, les départements conformité deviennent finalement de vraies cellules de renseignement financier. Xavier. François, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci François. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Sastox. Au revoir.